parce que j'avais pas forcément envie de revoir ta thèse aujourd'hui. Contrairement à toi. Parce que je sais que tu aimes toujours voir ma tête. Ok, je rigole un petit peu pour me détendre. Ok, alors l'autre fois je t'ai maquillée, c'était bien ça. Est-ce que t'as suivi le modèle? Est-ce que t'as suivi mes conseils? J'ai mes écouteurs pour la musique. Ouais, j'écoute la musique en même temps. En fait, ça m'inspire pour te trouver un look génial pour vendredi. Et là, je suis en train de regarder sur Instagram ce qui pourrait te plaire. Mais je t'écoute, je t'écoute. Ouais, qu'est-ce que tu disais? Ouais. Non, je m'en fous pas. C'est juste que je suis occupée. Partir sur ce look. Je te montre pas, c'est la surprise. T'es pas trop surprise. Quel dommage. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Qui ça? Non, tu le connais pas. Tu le connais pas.
Depuis 2013, on porte pas ce genre de choses. Personne t'a dit. Ah, mais est-ce que tu laves tes habits? Donc ça, on va oublier. Ah, nickel. Ah non, non, tout à fait. Ça va super bien d'aller. Attends, parce que je dois dire un truc à une amie. Qu'est-ce que tu dis? Je parle pas sur toi. Tu essayes pas en fait. Ça te plaît pas? C'est hyper beau. C'est en fait c'est un col carré. C'est hyper à la mode en fait. Non, je comprends pas. T'aimes pas? Un peu trop décolleté, tu dis. Non, je trouve pas. Je trouve pas. Mais bon, c'est pas grave. Bref, si tu veux rester coincé comme une grand-mère, reste coincé comme une grand-mère. Ça me pose pas de problème fondamental. C'est ton rendez-vous, hein, pas le mien. Je sais seulement t'aider en fait. Mais bon, si tu veux rester cloîtré dans tes habitudes et ta routine vestimentaire, grand bien te fasse, ma poupée. Qu'est-ce qu'il y a? Et je vais t'aider, t'inquiète. Ça va être super. Tu te trouves moche? Mais non. Mais non, la frange elle te va super bien. Et elle est un petit peu tordue, c'est vrai, je sais pas trop quoi faire. Mais tu m'en veux vraiment par rapport à la frange de l'autre fois. Je pensais que ça t'avait super plu. Ok, tu te calmes et on continue le looking. Ouais, on va passer sur une note un peu plus joyeuse. J'ai des sacs à te proposer. L'autre fois, tu m'as dit que t'aimais bien les sacs. Alors, bon, ben voilà, je vais te montrer mes sacs. Ouais, je peux te prêter un sac et je peux te mettre.
parle de choses plus gaies, voilà, c'est ça qui est génial, c'est ça qui est super. Sinon j'en ai un autre un peu plus estival. C'est un sac, oh, il fait un petit peu de bruit, en genre de paille avec des petits anneaux dorés qui s'ouvrent tout, petite barrette qui part, un des petits anneaux, et en fait c'est un sac qui s'ouvre tout simplement comme ça avec des boutons à pulsion. Est-ce que tu préfères ce style? Ok, pas d'ici vendredi, mais elle va repousser, je te jure. Mais oui, elle va te trouver belle. C'est sûr. Bon. Bref. J'ai aussi l'idée de te mettre dans les cheveux pour peut-être cacher ta frange, un bandeau. Enfin, un foulard. J'en mets beaucoup dans mes cheveux, des foulards. Tu vois? Regarde. Je le tourne. Ça ne va pas très très bien, mais ça fait l'affaire. Moi, ça va finalement, c'est plutôt joli. Sinon, regarde, tu peux préférer ça. C'est juste un petit ruban que tu mets. Tu sais, tu devines que tu vas et tu le mets, et il y a ça qui bandouille, et je te jure, c'est joli. Je te sens un peu contrarié depuis tout à l'heure.
attendre parce que tu reviendras. On a la tenue. Se laisser maintenant, je crois. Ah, j'ai juste envie d'être tranquille. Bon, écoute, bonne soirée. Tu me tiens au courant. Ouais, tu me dis quand tu rentres. Non, mais je m'en fous, c'est juste pas.